Grand Prix du Canada au Mont-Tremblant. Alors, sacré circuit, hein, au passage, incroyable, je ne connaissais pas, mais super dénivelé. Ça monte, ça descend. La piste est assez étroite, c'est vraiment incroyable. Vous verrez sur le replay. Mais... Donc, la pole était serrée entre trois pilotes. Bon, derrière, ils étaient un peu plus loin, parce qu'il y avait du poids en plus, donc pour les autres. Ok, alors, course 1. Mes pilotes ont plutôt brillé. Bon, je mise de baisse P4, mais globalement, bon, ça m'a plutôt réussi cette première course. La deuxième, M. Schumi, Schumi. Alors, le triplé des Schumi, là. M. Schumi, Schumi, Schumi the best. Raymond P4 devant Hervé, Bourdet, Abdel, type direct, etc., etc. Encore quelques abandons sur la fin, hein, notamment du moteur, des freins aussi. Et la dernière manche a été remportée par M. Schumi. Alors que d'ailleurs, les Schumi the best et Schumi ont abandonné dans le dernier tour, alors qu'ils étaient en lutte pour la victoire aussi. Bon, bah, ça fait de la place pour les autres du coup, hein. Alors, il y a eu les qualifs de l'IA Battle Challenge. Bon, je me suis qualifié P9 en ratant un peu mon tour, beaucoup en ratant mon tour. J'ai fait une 27 en course, donc forcément ça a amélioré fort. Mais ouais, plutôt un bon résultat. Pour quelqu'un qui connaissait pas le circuit, ça va, je trouve. Et la course, je me suis battu pour la victoire un petit moment, mais malheureusement, ils étaient quand même plus rapides, hein, les deux, là, Pronotype et Mchumi. J'ai dû m'incliner en finissant troisième au final. Regardez les poids, hein. 28, 85, 136, donc je pouvais rien faire. Je pouvais pas rivaliser. Ils avaient été trop légers, quoi. Mais bon, plutôt satisfait de ma course, globalement. Gros aura fini 17e. Il a un petit peu galéré, mais bon. C'était pas simple ce circuit quand même, faut reconnaître. Bon, l'IA Battle Challenge, hein, voilà. Classement, on va dire, facultatif. Coco 3 en tête, ça n'a rien à voir avec le vrai classement pour le coup, mais c'est un classement informatif, on va dire. La Grande-Bretagne est en tête, devant la France, l'Australie, nanana. Alors, les vrais classements, qu'est-ce que ça donne? C'est parti. Bien, c'est toujours assez serré, hein, comme vous le voyez, 209, 204, 200, 199, 197. Encore une fois, voilà, il y a 9 pilotes en moins de 30 points, même 10 en 30 points, pour le coup. Bon, les Schumi sont un peu plus loin, 150, 146. Mais attention, parce que il y a le Grand Prix aussi qui arrive. Schumi the Best et M. Schumi auront les points doublés. Donc, sachant que M. Schumi a marqué 58 points au Canada, s'il refait pareil en Russie, ça va faire très mal. Ça ferait près de 120 points marqués, quoi. Et là, du coup, il se replacerait pour le titre, carrément. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste 3 grands prix, enfin, 3 rendez-vous. Donc, il reste 9 courses en tout, quoi. Vu qu'il y a 3 courses par grand prix, entre guillemets. Donc, il reste encore beaucoup de points à prendre, mine de rien. Donc, tout est à retrouver sur le forum en détail. De toute façon, on fait assez vite, mais tout est à retrouver, comme d'habitude, sur le forum. Alors, classement constructeur, enfin, par pays. C'était également très très serré. Les 4 pays sont en 20 points, les 4 premiers. C'est juste incroyable. Bon, la France est un peu plus loin, malheureusement, je pense pas que la France joue le titre. Ça serait assez étonnant, mais malheureusement, ça finira 5e, je pense. À moins d'une surprise, mais j'y crois pas trop. La Nouvelle-Zélande et la Russie se battent toujours. La Russie qui a marqué 90 points quand même au Canada, hein. Derrière, on retrouve la Suisse en bataille avec l'Allemagne. Le Brésil en bataille avec le Mexique et l'Italie. Puis on pourrait rajouter les Pays-Bas aussi d'ailleurs. Japon et Canada qui se rapprochent aussi de ce groupe-là. Voilà. Alors pour finir, voici les gains. Alors, M. Schumi a remporté le gros lot, 85 millions, 58 points marqués. Electib devant Eltib, Pronotib, donc 3 de mes pilotes. Schumi the Best parviendra à se hisser à la 5e place au général au final. 34 millions, alors il y a un intrus, c'est Raymond. Voilà, il a marqué 24 points. Mais il n'était pas éligible, hein. C'est dommage, ça t'aurait fait des sous pour évoluer la Clio, mais malheureusement, il n'était pas éligible. C'est les règles. Hein. Schumi finira P7 à égalité avec moi, mais via la deuxième place, il finira devant moi. J'ai pas réussi à faire une deuxième place. Type F1 n'a pas réussi, quoi. Mais bon, ça fait des sous quand même. C'est toujours bon à prendre. Prochain rendez-vous. Cash Factor, ça sera dans 2 semaines à Moscou, en Russie, chez Vladimir, du coup, en espérant qu'il n'y ait pas d'attentat. Alors, non, c'est petit, c'est vrai, c'est petit. RIP aux gens qui sont morts quand même.
En tout cas, j'ai vu les mecs sur Twitter, ils ont pris cher. Hein. Ceux qui ont fait ça, ils savent se faire justice, hein, les Russes. C'est pas en France qu'on verrait ça. Bref. Sinon, prochain rendez-vous Air Factor, ça sera F1 Legacy mercredi soir, Österreichring, et dimanche, Monza sur F1 Brain. Donc, comme d'hab, hein, les choumis, dites-moi ce que vous voulez que je fasse de de vos sous. J'imagine que ça sera sur les championnats F1, mais bon, faut préciser quand même. Quant à moi, je pense que je mettrai tout aussi sur les championnats F1, même El Tip qui est dans les pronos, mais. Les deux là, des pronos, je vais les mettre aussi. J'ai besoin de sous là, sur les championnats de F1. Need money. I need money. Et Corentin, hein, je t'ai mis en commentaire la méthode avec le nouveau Air Factor que j'ai trouvé, la version G pour 2010, pour Windows 10, pardon. Donc j'ai testé sur mon Windows 11 parce que moi je ne pouvais plus non plus y accéder. Sur mon autre PC Windows 11, là. Je pouvais plus allumer Air Factor, ça faisait un écran noir et ça s'arrêtait direct comme toi en fait. Et avec cette méthode, ça marche. Même en allumant le PC avec la version G, puis se mettre le crack directement dans dans le dossier. Bon, alors essaye et puis tu me redis quoi. Bon, allez, bye!